Voici donc de nouveau un logigramme. Un logigramme qui décrit donc un cheminement séquentiel d'opération. Donc vous devez suivre bien sûr des flèches. C'est un cheminement fléché. Avec la bulle qui signifie le début, start ou début. Le start, vous commencez ici. Ensuite, vous choisissez un nombre entier. N, bien sûr, choix d'un nombre n entier, appartenant bien sûr au naturel. Il appartient à l'ensemble des naturels. Ensuite, on a deux possibilités. Soit on va par ce chemin-ci. C'est vous qui choisissez votre chemin. Soit vous choisissez ce chemin-là. Soit vous choisissez le chemin vers la droite, ou soit vous choisissez le chemin vers la gauche. Alors, supposons que vous choisissez le chemin vers la gauche. Bien, vous avez l'étape numéro une, ensuite suivi de l'étape numéro 2, et en finalité, vous terminez la séquence des opérations pour aller vers la fin des opérations. Et bien sûr, ceci constitue la fin. La fin des tâches, des opérations, des séquences, des actions. Voilà, donc on a une procédure faite par cheminement. Alors maintenant, si vous choisissez le chemin de gauche, de droite, je m'excuse. À ce moment-là, vous terminerez la séquence des opérations ici. On a un cheminement que voici.
Voilà les cheminements possibles. Alors, le premier cheminement, vous choisissez, vous débutez, vous établissez, vous choisissez un nombre, et soit vous, maintenant, vous choisissez soit le chemin de gauche ou de droite, si vous allez à gauche, voilà l'étape numéro 1, l'étape numéro 2 et la fin. Quoique le choix d'un nombre, c'est déjà une étape. Hein. Le choix d'un nombre, c'est déjà une étape. Donc, c'est dire que là, on a une étape 1. L'étape 1, c'est le choix d'un nombre. L'étape 2, elle est ici. L'étape 3 est ici. Ça veut dire que vous pouvez passer à l'étape suivante que si l'étape en cours est terminée. Il faut terminer l'étape en cours pour passer à l'étape suivante. Donc on a l'étape 1, 2, 3. Et bien sûr, de l'autre côté, vous retrouverez l'étape 1, 2, 3. Et 4. Donc d'un côté il y a 3 étapes, mais de l'autre côté il y a 4 étapes. Le choix du nombre est toujours une étape en soi. Le choix du nombre est une étape en soi. Alors maintenant, si vous établissez le chemin de droite, bien vous passerez par donc le début, choix d'un nombre, ceci, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et enfin la fin. Donc vous avez, vous choisissez une procédure, soit le cheminement, la procédure qui mène vers la fin en parcourant donc les 4 étapes de droite, l'étape bien sûr 1 et 2, 3 et 4 de droite, ou vous choisissez le chemin de gauche. Donc vous avez le choix. Alors vous choisissez un nombre. Puis, je multiplie le nombre par 2, puis j'ajoute 1. Ben, c'est de faire tout simplement 2n plus 1. Je calcule le carré du résultat. Et vous calculez 2n plus 1 au carré. Alors, si vous faites la partie de droite, je multiplie par 2, puis j'ajoute 3. Je multiplie par 2 le nombre, puis j'ajoute 3. Donc, je multiplie le nombre par 2. Puis, j'ajoute 3. Je multiplie le résultat par le double du nombre choisi. Donc, je multiplie le résultat qui est 2n plus 3 de l'étape précédente. Donc 2n plus 3, je multiplie le résultat 2n plus 3 par le double du nombre choisi au départ, qui est n, et le double de n c'est 2n. Donc vous allez avoir 2n fois 2n plus 3. J'ajoute 1, puis je soustrais le double du nombre choisi. Donc, j'ajoute 1 par rapport au résultat antérieur de l'étape 3. J'ajoute 1, puis je soustrais le double du nombre choisi au départ. Donc, c'est tout simplement de faire le 2n fois 2n plus 3
Voilà, moins 2 n. Voilà les deux procédures à faire. Une des deux, vous choisissez une des deux. Le tout, c'est de pouvoir les comparer. Voilà, le tout, c'est de les comparer. Alors, pour la comparaison, on pourrait mettre ceci. Et de comparer les deux résultats. Donc ce résultat, je vais l'appeler R1, résultat 1, et ce résultat-ci, je vais l'appeler R2. Et je compare R1 par rapport à R2. Je regarde s'ils sont égaux. Alors, si oui, eh bien on peut écrire qu'ils sont égaux. Ça commence à se réduire. Hein. Voilà, on ne sait plus tellement dessiner. Voilà. Bon, ici, je vais mettre juste ceci pour dire que c'est un affichage. Et là, je peux mettre un affichage. Sinon, alors là, ils sont égaux. Je pourrais mettre égaux. Et là, en affichage, je pourrais mettre ils sont différents. Et là, on peut aller vers la fin. Voilà, c'est juste un affichage. En fait des parallélogrammes, je n'arrive pas à les dessiner tellement que c'est petit. Voilà, bon, j'aurais dû faire prévoir ça auparavant, comme je n'ai pas prévu, je les rajoute maintenant. Ben voilà, ce qui fait que c'est un petit peu le cafouillis. Mais sachez que c'est un affichage juste pour dire s'ils sont égaux, ben c'est égal, s'ils sont différents, ils sont différents. Alors, je peux vous dire que le cheminement sera le suivant. Donc, si je fais start. On aura ceci, ceci, si je vais par la gauche, j'aurai ceci, ceci, et il y a l'égalité, j'aurai ça. Il ne passera jamais par là, par le nom, parce qu'il y a égalité. Bon, mais pour prouver qu'il y a égalité, il faut pouvoir faire... Je peux pas prouver qu'il y a égalité comme ceci, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est qu'il faudrait avoir une simultanéité. C'est-à-dire, la simultanéité... Il faut que je fasse le chemin aussi bien à gauche et à droite. Voilà. Donc, ceci. Voilà. Il doit avoir une simultanéité parce que sinon, ça ne marcherait pas. Il faut que j'ai quelque chose à gauche de l'embranchement et à droite du losange. Et là, je peux tester. Le test ne se fera que s'il y a une simultanéité à gauche et à droite.
Maintenant, si vous... Hélas, moi, quand on a simultanéité, là, on peut décrire qu'il y aura forcément égalité et on peut aller à la fin. Voilà. Bon, maintenant, rien ne vous empêche de faire ceci. Vous débutez, vous faites un choix de nombre, vous pouvez entamer ceci et puis recommencer, puis repartir ici. Repartir ici. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça veut dire que à ce moment-là, les étapes sont, si elles sont séquencées, les étapes ne porteront pas les numéros qui sont attribués ici. Donc là, on aura l'étape 1, 2. Et là, par exemple, on irait, je pourrais faire celle-ci, et celle-ci serait la 3. Ce serait l'étape 3. Ensuite, je peux faire celui-ci. Ça serait par exemple l'étape 4. Ensuite, je passerai à l'étape 5 et puis 6. Voilà. Et à ce moment-là, je peux avoir le test. Parce qu'en fait, pour avoir le test, il faut que on ait quelque chose là, à ce rectangle-là, et à ce rectangle-ci. Voilà. Enfin bref, maintenant je prouvais que c'est égal. Je prends quelques exemples. Prenons un nombre, un choix d'un nombre qui est impair. Par exemple, 3. 3 fois 2 plus 1, le résultat, c'est 6 plus 1, ça fait 7. 7 au carré, 49. Voilà. Je m'arrête ici. Maintenant, 3 fois 2, 6 plus 3, 9. 9 fois le double du nombre de départ, ce qui fait le nombre de départ, c'est 3. 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 fois 9, 54. Le 54, j'ajoute 1, ça fait 55. 55 moins le double de départ, 55 moins 6. 55 moins 6, c'est 49. Donc il y a bien égalité. Alors, si je prends un nombre impair, le final, il est impair. 49. 49. Mais il y a bien égalité entre les deux. Si je prends un nombre pair, on va prendre un nombre pair. On va prendre 6. 2 fois 6, 12 plus 1, 13. au carré, 139. Alors, 6 fois 2, 12. 12 plus 3, 15. Alors, le double de 6, ça fait 12. 12 fois 15, 180. Plus 1, 181. Moins le double de 6. Moins le 12 oui, de 181 moins le double de 6, c'est 12. Je me suis trompé quelque part, voilà, il faudrait que je recorrige. Voilà. 12. Je vais aller chercher où je me suis trompé. Où est l'erreur? Alors, 139 est un nombre impair aussi, hein, que vous preniez un nombre pair 6 ou impair 3, le nombre sera impair. Par contre, ici à droite, il faut que je trouve l'erreur. Bon, n vaut 6, 6 fois 2, 12. 12 plus 3, ça fait bien 15. Alors, 15, on va multiplier par le double de 6. Et le double de 6, c'est 12. 12 fois 15, 180. Je rajoute 1 et je soustrais le double de 6. Qui vaut 12.
Ouais, 13 au carré, l'erreur, elle est là, c'est 169. Donc, ce qui est bon ici, ça, c'est bien 169. Mais 13 au carré, c'est 169 et pas 139. Je sais pas pourquoi j'ai mis 139. Mais de toute façon, 169 est impair. Hein. Voilà, il y a bien égalité. Il y a bien égalité. Donc, oui, il y a égalité. Bon. Alors, on va démontrer pourquoi il y a égalité. Tout simplement parce que à gauche, on a 2n plus 1 au carré. 2n plus 1 au carré, c'est 4n carré. N carré plus en produit remarquable 4n plus 1. Donc si je prends par exemple la valeur 6, 6 au carré 36 fois 4, 36 fois 4 plus 4 fois 6 plus 1, on a bien 169. Si maintenant on prenait 3 comme je l'ai fait tout à l'heure, 3 au carré 9 fois 4, 36 plus 4 fois 3, ça fait 12, plus 1, on a 49. 49, c'est juste. Bien 49 pour 3. Quand je rentre 3 là-dedans, ben on a 49 et quand on rentre. Alors ce nombre-là, supposons que je prenne un nombre impair. Un nombre impair au carré, c'est toujours impair, mais si on fait x4, il devient impair. Donc celui-ci, il est pair. Si je prends un nombre impair x4, il est pair. Impair plus impair, ça donne un nombre pair. Et impair plus 1, ça donne un nombre impair. Voilà pourquoi ce nombre-là est impair. Alors, il faut démontrer que l'autre côté, ça fait la même chose. Eh bien, on a 2n plus 3. 2n plus 3, ce qui nous intéresse, c'est la dernière expression. Si je multiplie, je distribue le 2n, on a déjà notre 4n carré qui apparaît. Plus 2n fois 3, ça fait 6n. Comme on rajoute n, 1, on a rajouté 1. Et puis on soustrait 2n. Le 6n moins 2n, ça fait 4n. 6n moins 2n, ça fait 4n carré plus 4n plus 1. Donc il y a bien égalité. Faire cette procédure-ci ou cette procédure-là revient à faire la même chose. Mais je vous rappelle que celle-ci, elle se fait en deux étapes, elle est plus courte. 2n plus 1 et 2n plus 1 au carré est beaucoup plus court que de commencer à calculer ceci, qui est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Et la voie la plus rapide, c'est celle-là. C'est celle-ci. Vous calculez ceci et ça revient à faire le traitement de gauche et le traitement ou le traitement de droite. Voilà, je vous remercie.